Aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons pour un autre épisode de notre série One Piece sur Minecraft. Et aujourd'hui les amis, nous allons affronter un des boss parmi les objectifs qu'on avait. De base nous ce qu'on avait fait les gars, c'était qu'on avait vaincu des Ronin ainsi que des Livingstone il me semble hein. Puis on a vaincu Mihawk, Kyleth Swordman. Et maintenant ce qu'on va essayer de réaliser les gars aujourd'hui, c'est à dire qu'on va essayer de affronter le Undead Swordman. Je sais pas contre qui nous allons nous battre parce que bah, pour moi le meilleur Swordman ça a été du coup Mihawk. J'en ai aucune idée, mais après on aura tout ça là à vaincre. Je crois que ça on a déjà vaincu ça. Master Ninja je ne sais pas, mais en tout cas on a aussi Absalon à vaincre. Et puis on a le Dragon Scroll, Emerald, Dragon Statue. Je sais pas comment le trouver ce gars là. Et puis on a Living Bedrock et on a Bring Strong Gate. Ça veut dire les gars que on a presque fini de fumer tous ces messieurs. Sword Fortress. Ok, je pense que on pourrait retrouver le Undead Swordman dans une forteresse. Donc moi j'en ai une de forteresse. Je crois qu'elle était spécialement vers là-bas, vers le nord-ouest de... nord-ouest de ma base quoi. Et ouais, tout simplement le nord même. Donc bah les gars, essayons donc d'affronter tous ces boss le plus rapidement possible. Ok, c'est parti les gars, et let's go utiliser notre haki de l'autre mode. C'est vrai que je devais de base ne pas l'utiliser, mais au final j'ai fini par l'utiliser. En tous les cas, j'ai aussi mon petit haki stylé, mais malheureusement j'ai pas une énorme quantité de haki, donc je peux pas l'utiliser à l'infini en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comme ça, et là t'as la barre qui est là-bas à droite là, descend à une vitesse énorme. Aussi les gars, j'ai un truc à vous montrer, j'ai aussi les gars une nouvelle puissance que je devais vous apporter pour cet épisode. C'est-à-dire que j'ai un nouveau haki à montrer. Ça a été le haki des rois et effectivement je l'ai enfin débloqué. Voilà, je l'ai débloqué, hein. J'ai enfin débloqué le haki des rois. Hein. Et franchement, il est vraiment stylé. Vraiment, il est vraiment stylé, il est très très bien fait. Très très bien fait sur le mode que j'ai. Ici toi. Comment je monte là? Il n'y a pas de solution frérot. Hein. Même on est Trafalgar de Waterloo, on est capable de se téléporter grâce aux fruits. Au Penomi. Ok, où est-ce qu'il peut situer le boss là? Parce qu'en fait là ici il y a un strong gate man, et je crois que ça c'est Kaido je pense. Ok là les affaires. Mettons en faisant les choses petit à petit. Ok, on se met ici. Ok. On se met ici. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre forme de haki. Là, c'est un peu compliqué, j'ai pas de quoi activer mon haki suprême. Je vais devoir me le faire à la va comme à l'époque. Là j'ai acheté mon haki les gars, hop là on y va. Maintenant ce qu'il me faut c'est fumer l'autre. Comment je pourrais fumer ce mec? Où est-ce qu'il est? Je n'ai pas beaucoup de PV. Peut-être que je devrais peut-être activer mon haki d'Elroy. La meilleure solution en fait. En réalité je sais pas où est-ce qu'il est, du coup je peux pas savoir. Pas le pré-shot en fait. Dans tous les cas moi ce qu'il me faut c'est mon stuff. Dans tous les cas c'est mon stuff. Du coup je dois aller là-bas. Donc j'ai un bot là. Ok, je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, je devrais plutôt creuser un mur en fait. Le problème, c'est que j'ai pas de quoi accéder en haut en fait, et c'est un peu compliqué. Du coup, je vais faire ça comme à l'époque. Hein. Je sais les gars, je sais que c'est pas la meilleure solution. J'aurais peut-être dû faire comme tout le monde, je sais pas, créer un pont peut-être. Peut-être que c'est la meilleure solution, hein, qui sait. Mais moi, je ne peux pas. Je dois trouver absolument une solution. Je dois donc aller récupérer mon stuff qui est tout en haut. Et en plus j'ai vu que en haut là-bas il y avait le Kemé là, comment il s'appelle, le mec là qu'on retrouvait chez Shanji. Voilà, des graves dangereux ici les gars. Oh là, ça m'a l'air d'être une dangerosité incroyable. C'est quoi ça? Ok, bref, il me faut de l'XP les gars, il me faut de l'XP parce que si je veux accéder là-bas, il me faut de l'XP. Je n'ai pas le choix, il va me falloir beaucoup d'XP parce que, en fait, pour activer mon haki tout court, il me faut 2 levels minimum. Ça, c'est un peu chiant, mais t'as vu, ça fait un petit mode RP, t'as vu, donc en soi, on va pas se plaindre, on va plus accepter le truc comme il est. Parce qu'en vrai, ça peut être chiant. Ok, là, il y a un Kemé ici, hop là, vas-y, viens ici. Okay, je l'ai tué, maintenant je suis niveau 1, mais maintenant il me faut encore un niveau, capté. Donc ça veut dire qu'il faut que je tue encore un autre Kemé. Maintenant, où est-ce que je peux en trouver un? Bah au pire les gars, regardez ce qu'on va faire. On va aller dans un biome là où il y a grave les mobs là, genre ça. Et je vais récolter de l'XP de manière sans me battre, hein, juste de manière passive. C'est compliqué là, il y a beaucoup de mobs là.
Hop là, c'est bon. Là, on est bien. Je vais encore récolter l'XP parce que, au cas où, t'as capté, au cas où, c'est les choses sont beaucoup plus compliquées que prévu. Faut-on un maximum d'XP et je me casse. Je me casse une bonne pour tout. Ok, les gars, c'est bon. J'ai donc mon haki. Je suis au max de mes capacités. Donc, je ne peux pas. Je vais récolter un peu plus de PV quand même. Je vais donc me nourrir afin de récupérer tous les PV que je dispose dans ma catégorie de PV que j'ai débloqué. T'as capté le délire, hein. Je vais donc retourner là où il y a le Strong Gateman et on va se l'affronter. Mais avant, on a vu que on devait affronter des Elite Guard. C'était plutôt chaud en plus de tout ça là. Si on veut vaincre le Strong Gateman, eh bien on va devoir se le faire à la source. Et pour se le faire à la source, bah c'est tout d'abord vaincre ces Elite Guard. C'est une forteresse qui est beaucoup trop cheatée, gros. J'ai pas compris ce qui s'est passé au moment voulu, mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment le choix. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? En tous les cas, on va devoir se le faire parce qu'il me faut mon stuff. Mon stuff est perdu dans cette tour et j'ai pas le choix. C'est parti, on active le tranquille le plus puissant. On active aussi ce haki là afin d'obtenir une meilleure. Ok, là on a ça. Ok, là c'est compliqué. Et que mais il est chaud. Je peux plus spammer ma touche de machin et il a pas l'air de mourir. J'ai mal au doigt parce que en fait, je suis en train de spammer les deux touches, les gars. Il y a eu 400 PV les gars. Il y a quand même 400 PV les gars, c'est beaucoup. Bah là franchement les gars, je sais pas quoi vous dire. Pas grave de tel monsieur. En plus c'est trop rapide, il est d'une rapidité mais je n'ai jamais vu une rapidité aussi rapide. Il est plus ça, il met des comebacks de fou. Ça va. En réalité, c'est possible, mais quand même, ça fait sacrément mal. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des trucs à rigoler, quoi. Parce que je dure pas. Bref, il y a lui, là. Lui, c'est un peu plus compliqué que prévu. Il y a combien de PV? Il est où? Il a 600 PV, quand même. Ouh, maman, frère, ça fait des explosions comme ça, là. Ok, c'est bon, je l'ai poussé là-bas. Il me faut mon stuff là. Il est où mon stuff? Bah, je crois qu'il est mort en fait, mon stuff, les gars. Bon, bah, en vrai, le Strong Gate Swordman, regardez comment je l'ai mis cher. Donc, vas-y, les gars, go activer mon plus puissant de fruit du démon. Hop là, on y va à fond. Ben, ici, Counter Shoko, Gamma Konaifo. Pourquoi tu me fuis? Ya, non. Pourquoi j'ai fait ça? Mais gros, je me dans l'eau. Mais frérot. Ok, c'est bon, il m'a sauvé la vie, c'est bon. On est sur la route là. Ok, vas-y, viens, monte, vas-y, viens. Descends. Ok, c'est parfait, let's go. Ok, vas-y, viens. Casse-toi. Hop là. Mais non, frère. Counter Shoko. Gamma. Il me faut un Gamma Knife là. Ok, Gamma Knife. Oh. Okay, j'ai mis le Gamma Knife. Maintenant, il est dans la merde. Là, je récupère mon énergie afin de revenir sur le terrain. Ça fait vraiment mal. Hein. Vraiment, ce que met, il est pas là pour rigoler. Encore une fois les gars, c'est pas un combat que je suppose que vous attendez avec une grande impatience. Mais tu connais frère. Il nous faut des choix, il nous faut des solutions. Et là frère. Aïe. C'est bon, on est encore là. Voilà les gars, c'est bon, c'est réussi. Je sais pas si son épée elle est utilisable à 100%, mais en tout cas voilà quoi, t'as capté. En tout cas j'ai son épée quoi, ça fait plaisir. Je vais vous montrer les gars mon haki de quoi. Vous allez être choqués de la beauté parce que c'est quand même un haki qui est très très bien fait, évidemment. Donc regardez bien les gars, je vais vous montrer ça dans la nuit et on vous montrerai un nouveau gameplay dans le jour. C'est parti, à terre les gars, bande de microbes. Les gars, mettez-vous à terre.
Les gars, mettez-vous à terre. Les gars, mettez-vous à terre. Mets-toi à terre, toi, mets-toi à terre. J'ai plus d'acquis, les gars. Et personne s'est mis à terre. Personne s'est mis à terre. Les gars, personne s'est mis à terre. Frérot. Mais gros, non, par contre, j'avais. Oh, je crois que c'est un flop. Hein. Je pense que eux, ils veulent pas être à terre. Aussi, les gars, il y a aussi grandement moyen que je reprenne les lives. Je vais peut-être essayer de reprendre les lives le samedi. Donc, du coup, rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah, évidemment. Et ça, c'est pas une source sûre. Évidemment, ça, peut-être que ce sera pas forcément tous les samedis, mais je vais essayer de réaliser des lives tous les samedis. Mais ça, c'est pas quelque chose à apprendre au premier degré, t'as capté? Donc, voilà. Donc, on verra bien. Oh, voilà, allez, c'est parti, les gars. Ouvrons. Et 3 portails, let's go. Activons notre plus puissant de tous les acquis. Allez, notre prime, c'est parti. Maintenant on peut descendre, c'est parti. Allez, let's go. Maintenant on descend. Ok les gars, je me suis donc rendu ici afin de trouver des moutons. Parce que je sais ici qu'ici il y a beaucoup de moutons. Maintenant j'ai plus besoin de ça. Maintenant je vais vous montrer les gars mon haki d'Elroy. Est-ce que les gars vous êtes prêts? Hop là, normalement ça devrait le mettre à terre. Donc là vous comprenez, ça fait ce genre de choses là. Tu comprends maintenant ou pas? Regarde, ça met les petits moutons à terre. Après c'est des niveaux bas de gamme aussi. Donc pas s'attendre non plus à des cotrues de folie. Hein. On comprend que voilà quand même. En réalité ouais c'est plutôt puissant quand même. Ça met dans une sacrée zone carrément. Ouais les mecs jusqu'ici. Moi ouais, jusqu'ici sont à terre. Je sais pas où est-ce que ça va. Et je sais pas pourquoi ça va aussi loin. Peut-être que là, regarde, on va voir un petit peu la distance. Non, ça ne va pas jusqu'à là-bas. Par contre, lui là, il est à terre. Stylé quand même, ça va assez loin, mais ça va pas non plus très très loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, regarde, on va voir un petit peu jusqu'à que ça va peut-être. Voilà, ouais, ça va assez loin quand même. Hein. Je suis à ouais, ça c'est en tout cas la distance en tout cas elle est beaucoup plus que la distance de mon haki de l'observation. Capté ou pas, donc de mon HDO.